regardez l'invité de la rédaction sur la Panafricaine Médias et merci de nous rester fidèles. Au Sénégal, la jeunesse se mobilise activement pour la protection de l'environnement à travers diverses initiatives citoyennes. Dans plusieurs communes de la capitale Dakar, des clubs environnementaux voient le jour. À travers ces clubs, les jeunes redoublent d'efforts pour sensibiliser la population et protéger leur cadre de vie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Eliman Ngom, un acteur clé de cette dynamique écologique. Vous êtes militant écologiste, adjoint responsable pôle formation sensibilisation et plaidoyer du club environnemental de Yoff et chef de projet du programme d'éducation environnementale EcoLearn. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup pour la présentation, Monsieur Alex. Ça fait énormément plaisir de venir ici au niveau du plateau de Média et de parler des activités que nous faisons au niveau du club environnement de Yoff. Monsieur Ngom, tout d'abord, pouvez-vous nous dire ce qui a suscité votre engagement dans les initiatives de protection de l'environnement, particulièrement dans la commune de Yoff? Bon, là, je vais dire que ça date depuis le lycée, quoi. Parce que à un moment donné, je me rappelle bien, lorsque nous faisions la classe de 3e, on avait vu un cours portant sur le changement climatique. Et après avoir vu ce cours, franchement, ça m'a vraiment conscientisé. Et j'avais jugé nécessaire de faire quelque chose. Maintenant, juste après, lorsque j'ai obtenu mon BFM, bon, j'avais monté un projet de ce genre, mais franchement, je ne l'avais pas réussi, quoi, parce qu'il y avait un léger manque de leadership. Maintenant, avec le club environnement de Yoff, ça a été déjà créé depuis 2021. J'ai jugé nécessaire d'intégrer ce club et afin de pouvoir partager cette même passion avec les gens écolos et de pouvoir contribuer à la bonne marche de ces activités. Donc c'était comme ça, quoi. C'est comme ça que c'est venu. Et franchement, moi, je me dis qu'actuellement, il est de notre responsabilité d'agir. Parce que juste à travers ce coup, j'ai vu, je me suis dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Monsieur Ngom, précisons que vous êtes également prof d'anglais, d'où votre accent. Poursuivons à travers cet entretien, quelles sont les principales activités de votre club en termes de préservation de l'environnement? Alors, la plupart du temps, nos activités sont axées sur la sensibilisation, le nettoyage et consorts. Maintenant, la plupart du temps, ça se fait sous forme de projet. Parce que nous avons un projet dénommé Natal Dara et Colonne au moins deux quartiers. Au moins deux quartiers, nous ciblons des quartiers au niveau du commune de Yoff et environ. Et nous allons là-bas y reboiser des plantes, faire du reboisement et nettoyer. Maintenant, une fois que nous faisons ces activités, on va laisser la suite aux gens de ce quartier. Comme ça, ils vont continuer et après quelques moments, on va revenir afin de voir s'ils ont bien géré et ils sont permis. Comment réussissez-vous à mobiliser les jeunes de votre commune pour participer à ces actions? Alors, la plupart du temps, nous essayons de faire ou de trouver des thèmes qui intéressent les jeunes. Déjà, bon, pour vous le dire, nous avons nos plateformes et ça contient près de 100 jeunes. Alors, plateformes sur les réseaux sociaux? Oui, réseaux sociaux, Instagram, Facebook et notre propre plateforme au niveau de WhatsApp. Maintenant, quand nous avons une activité, nous essayons d'étudier la faisabilité et si c'est faisable, on le partage dans nos réseaux sociaux et d'habitude, les gens participent massivement. Parlons de faisabilité. Pouvez-vous nous donner un exemple d'une action particulièrement réussie sur le terrain? Alors, déjà ici à Wissoir, nous avons eu à planter des arbres et en espace de moins d'un an, ou je vais dire deux ans, les arbres ont grandi et je vois que ça a contribué à rendre vert cet espace-là au niveau de Wissoir. Peut-être si vous passez là-bas, vous pouvez en apercevoir. Quel rôle jouent les écoles et les établissements d'enseignement dans vos projets? Alors, déjà, nous sommes en collaboration avec le collectif des directeurs de l'école, des écoles. La plupart du temps, quand nous voulons organiser une activité, on se rapproche d'eux et on les explique. Maintenant, en ce qui concerne la mobilisation avec les élèves, ce n'est pas difficile. Ils parlent avec les élèves et les élèves viennent assister à l'activité et nous véhiculons notre message. Quel impact concret avez-vous observé sur l'environnement local, particulièrement dans la commune de Yoff, depuis la création de votre club? Voilà, je vais dire qu'il y a beaucoup de défis quand même. Parce que nous, à notre niveau, nous essayons de faire le maximum. Mais le but, c'est peut-être de miser sur les gens qui sont conscients et de les sensibiliser afin qu'ils puissent être
peut-être des ambassadeurs, des défenseurs de l'environnement. Peut-être aujourd'hui au Sénégal, c'est la remarque, la plupart du temps, les gens, après avoir mangé ou utilisé un gobelet, ils le jettent par terre. Alors, avec certains acteurs ou certaines personnes qu'on a eu à sensibiliser au niveau de Yoff, franchement, je voulais dire ici au niveau de Plateau, ce n'est plus le cas. Comment évaluez-vous l'évolution de la prise de conscience environnementale chez les jeunes de votre commune et au Sénégal en général? Alors, c'est positif. Bon, positif entre guillemets pour le moins, parce que quoi qu'on puisse dire, il y a des défis à relever, mais nous faisons toujours un focus sur l'aspect sensibilisation en essayant de faire passer des messages. Il y aura de maximum de gens qui sont conscients et ils pourront agir pour la protection de l'environnement. Que conseillerez-vous aux jeunes d'autres régions du Sénégal ou d'ailleurs qui souhaitent s'engager dans des actions similaires? Alors, c'est ça. Moi, je me dis qu'il y a différentes manières de s'engager, que ce soit dans le domaine de la protection de l'environnement, éducation, action communautaire, beaucoup de manières. L'essentiel, c'est de le faire, parce qu'en le faisant, vous allez peut-être, je ne vais même pas dire peut-être, mais vous allez directement amener votre pierre à l'édifice. Comme le disait le président américain John Fitzgerald Kennedy, « Ask not what you can, what your country can do for you, but ask what you can do for your country. » Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi ce que tu peux faire ton pays. En agissant ainsi, on va sûrement faire un impact positif au niveau de notre communauté, en particulier le Sénégal. Monsieur Ngom, comment travaillez-vous avec les autorités locales et les autres acteurs communautaires pour atteindre vos objectifs environnementaux? Alors, déjà aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec la municipalité de Yoff, de Cambérène et aussi de Medina Gounas. Vous voyez, donc pour faire des activités de reboisement et de nettoyage, nous le rapprochons vers ces municipalités et de les expliquer nos projets. Maintenant, ils peuvent nous aider sur le plan financier ou logistique à travers des balais ou des brouettes, quelque chose comme ça, pour mener à bien nos activités. Avez-vous des collaborations avec d'autres clubs environnementaux, dont d'autres communes ou même au niveau international? Bon, au niveau international, on est en train de voir avec la FAO. Pour le moment, ce n'est pas carrément acté, mais Inch'Allah, peut-être ça va bien, ça va venir. Mais au niveau communautaire, on a JVE, Jeunes volontaires de l'environnement. Nous avons aussi Nebedaï et Océanum. Et quels sont vos projets futurs pour renforcer la protection de l'environnement dans votre commune? Actuellement, nous misons beaucoup plus sur la sensibilisation, mais dans le long terme, on aimerait bien agir sur le côté peut-être entrepreneuriat, peut-être mettre en place des industries de recyclage, comme les broyages de plastique ou des papiers, des sachets de papier à papier, quoi. Comme ça, on trouve que ces sachets sont beaucoup plus durables. Donc, c'est ça le projet dans le long terme, quoi. Comment les habitants de votre commune perçoivent-ils vos initiatives? Sont-ils réceptifs et surtout participatifs? Bon, là, je dirais les deux à la fois. Réceptif dans la mesure où quand on se rapproche d'eux et on les explique, ils essayent de nous encourager, d'apporter leur soutien. Alors, collaboratif dans la mesure où aussi la plupart du temps, si nous lançons nos activités, ils viennent participer. Donc je vais dire c'est les deux à la fois. Monsieur Ngom, quel regard portez-vous sur les récentes initiatives mises en place par le gouvernement sénégalais dans le cadre de la protection de l'environnement et du cadre de vie des populations? En tout cas, c'est bien pour le moment, parce que le Sénégal tend vers une dynamique écologique, parce qu'il y a le BRT, il y a les terres, déjà c'est bien pour l'environnement, et il y a le concept du président Bassirou Diomaye Faye, le CSRL qui organise vers la fin du mois. La grande journée de nettoyage national. Absolument, c'est bien. Donc peut-être si j'ai un message à faire lancer, c'est qu'il fasse de telle sorte que l'activité soit pérennisée et qu'ils me mettent un axe sur la sensibilisation. Parce que c'est dommage, mais aujourd'hui, des gens peuvent se regrouper, faire une bonne activité, mais après, c'est eux qui vont revenir en vain de salaire, ce qui est anormal. Donc, qu'ils mettent l'accent sur la sensibilisation, afin que les gens puissent comprendre l'importance. Merci, M. Ngom, pour cet éclairage et d'avoir accepté cet entretien. Ok, merci beaucoup Alex, ça fait plaisir. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la Panafricaine.